Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Aujourd'hui chers amis, on se retrouve, c'est dimanche, on va faire le tableau venant. Comme vous en avez parlé vendredi si vous avez regardé la vidéo, je vais faire le tableau venant de la féminine. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour elle. S'il s'avère court, je ferai celui du masculin. S'il est complet, je m'arrêterai là. Hein, ok, allez, on est parti. Alors pour faire ce tirage aujourd'hui, je vais utiliser l'Ilinka le Normand de Alexandre Musruk. Voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour les féminines cette semaine. Alors, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là pour les féminines? Ouh, ça va parler sentimental là pour les féminines. Les féminines, elles peuvent être amoureuses ou faire une rencontre sentimentale. En tout cas, il y a du sentimental pour elle cette semaine. Elle est magique celle-là, cette semaine. Alors, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer pour les féminines. Elles peuvent rencontrer quelqu'un, il peut y avoir un lien d'âme au niveau sentimental. Ça me rappelle un petit peu le tirage de vendredi, je vous le mettrai en fin de vidéo. Et puis elles peuvent faire une rencontre déterminante qui va durer. Hein. Elles recherchent également, les guides sont en train de me dire, elles recherchent également là, les féminines, pour celles qui sont concernées, une stabilité sentimentale. Je ressens des féminines qui en ont un petit peu marre des histoires qui ne durent pas, de ne pas réussir à retrouver la bonne personne. Bon, ok. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là cette semaine pour la féminine. Et ça, ce sont des messages annexes, hein. Ça ne veut pas dire que ça concernera le tableau. Alors, hop, c'est bon. Alors à la coupe, on a waouh. On a de l'engagement et on a un nouvel envol. Là, en l'occurrence, il peut y avoir très honnêtement une nouvelle rencontre et puis ce sera la bonne rencontre pour vous et les dames. Il peut y avoir un changement d'union. On peut repartir. Alors, j'ai plusieurs messages. Il y a la naissance d'une union, ça c'est une évidence. Ça peut être d'un partenariat aussi, hein, c'est pas seulement sentimental. Là, en l'occurrence, ou l'arrivée d'un engagement, donc on repart sur un bel engagement qui va plutôt s'ancrer dans la durée. Donc là, en l'occurrence, pour celles qui ont un peu de mal à trouver les chaussures à leurs pieds, là, en l'occurrence, les nouvelles, elles sont plutôt bonnes. Il y a une notion d'emménager ensemble également, donc de commencer une vie commune et d'un rafraîchissement pour les unions un petit peu plus anciennes. C'est-à-dire que ça va... Ouais, il va y avoir une bouffée d'oxygène, il va y avoir quelque chose de neuf, quelque chose qui va permettre de rafraîchir un petit peu l'union, qui va lui permettre quand même de repartir sur de bonnes bases. Donc là, on est carrément, on est plutôt pas mal. Et puis, il peut y avoir pour certains d'entre vous aussi l'arrivée d'un heureux événement, hein, pour ceux qui sont en âge et qui désirent avoir des enfants. En l'occurrence, il peut y avoir l'arrivée aussi d'une heureuse nouvelle, d'un heureux événement. Bon, ok, super. Bon, on va voir. Alors, waouh, il y a l'arrivée de l'amour. Hein. Ça ressort tout de suite, il y a l'arrivée de l'amour. Bon, magnifique. Il y a un coup de chance au niveau domestique et au niveau de son harmonie intérieure. Super. Il va y avoir un choix de domicile à faire. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez être à même ou dans une période, mesdames, où vous pensez peut-être déménager, changer de maison. Il y a un choix à faire à ce niveau-là. J'ai pas d'autres messages annexes. 2, 4, 6, 7, 8. J'ai ma première ligne. Alors, je cherche la carte de la femme que je ne trouve pas pour l'instant. Et là, j'ai pas d'autres messages annexes pour vous pour l'instant. Non, toujours pas. Il y a un coup de pouce au niveau pour les célibataires. Il va y avoir un coup de pouce du destin. Il va y avoir un coup de pouce également concernant les finances. On a l'homme qui est en 17e position. Il peut y avoir l'arrivée d'un homme. Hein. Il y a une nouvelle union qui arrive. Hein. Franchement, là, on est plutôt chez les célibataires. Il y a la bonne personne qui arrive pour vous, mesdames. Alors, moi, toujours pas. J'ai pas la carte de la femme encore. Toujours pas.
Non plus. Il n'y a plus à y avoir des disputes amoureuses. Hein. Il n'y a plus à y avoir du conflit amoureux ou être en conflit avec soi-même parce que justement on n'arrive pas à retrouver la bonne personne. C'est un petit peu ça. 24, 26, 27, 28, 29. 29, la femme va avoir, il y a une notion d'avoir plusieurs poissons dans la mare, c'est un peu ça. Là en l'occurrence, on commence le tableau avec les poissons. Là en l'occurrence, la femme, les féminines vont avoir des opportunités financières, elles peuvent commencer des nouveaux projets également. Donc nouveau projet pour la féminine. Mais j'ai toujours pas retrouvé la carte de la femme là. Toujours pas. Ah, la voici. Ah bah ça va être très court. Le tableau de la féminine est déjà terminé, mesdames, j'en suis désolée. Mais on a la femme qui est en 34e position. Et en 29e position, qui est censée être sa maison, on a les poissons. Donc là, en l'occurrence, hein, voilà. La femme, là, le seul message que j'ai pour elle. En dehors de tous les messages annexes qu'on a eu là au tout début. Mais en l'occurrence, c'est il y a des nouveaux projets et puis il y a une amélioration financière pour elle. Bon, ben on va faire celui du masculin, hein. Ah, parce que là, ça a été très très court. Hein. Ben, mesdames, je suis désolée, je voulais vous gâter. Et puis là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à vous dire. Mais c'est peut-être parce qu'il y a des choses à voir du côté de votre autre. Hein. Donc on va regarder ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là pour les masculins? Généralement, quand je fais le tableau du masculin, il y a des secrets qui vont être révélés au grand jour. Messieurs, si vous êtes en triangulaire, là en l'occurrence, ça peut être révélé au grand jour. Hein. Une relation cachée ou alors une fourberie. Hein. Vous pouvez être victime d'une fourberie, d'une hypocrisie. En l'occurrence, ça va vous être révélé au grand jour. Pardon, on va enchaîner un garde. Ouais. Bon, il y a de la tentation, il y a de l'attraction, et en l'occurrence, il y a quand même une forme de triangulaire. Alors, si c'est vous, vous êtes fidèle, messieurs, en l'occurrence, vous pouvez l'infidélité de votre épouse, de votre conjointe, de votre concubine peut être révélée au grand jour. Mais là, il y a une forme de tentation. Qui va vous obliger? Alors, ça peut être. Vous pouvez recevoir une lettre anonyme. Comment ça va être? Ah, je suis désolée. Je vais m'éclaircir la voix. Alors, comment ça va être révélé? Là, en l'occurrence, ça peut être une lettre anonyme qui venant d'un ami. C'est quelqu'un qui vous veut du bien, de toute façon, qui va vous le dire. Et c'est quelqu'un qui, visiblement, vous connaissez depuis longtemps. Et qui peut vous annoncer officiellement ce qui se passe un petit peu dans votre dos. C'est pas seulement un ami, il y a aussi un lien karmique. Alors les âmes sœurs, elles ne sont pas toujours destinées à être des partenaires de vie, il faut le savoir. Et on peut avoir des âmes sœurs du même sexe, par exemple. Là, en l'occurrence, si vous êtes hétéro, c'est une évidence que vous ne serez pas partenaire de vie. Et là, en l'occurrence, ça va au-delà. Ça va au-delà de l'ami. C'est un ami. Alors, ça peut être un ami d'enfance. Un ou une, non? Un ou une amie d'enfance, ou alors ça peut être une âme sœur du même sexe qui, en l'occurrence, peut vous dévoiler de manière officielle, mais de manière officielle un petit peu entre quatre yeux, ce qui se passe réellement. Et là, ce que je ressens et ce que je vois, c'est que à partir du moment où les masculins vont avoir cette information-là, ils vont prendre leur envol, ils vont se libérer de cette situation. Ouh, ça se coupe pour les masculins là. Bon, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît. Mais ça, c'est du message annexe. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer là pour les masculins, visiblement? Ça va se couper un peu là pour eux. On va voir. Alors, à la coupe, on va avoir. Alors, on a Internet, on a les sorties mondaines, on a un petit peu tout ce qui est des sociétés, la société, etc., l'entourage éloigné. Et en l'occurrence, il y a également la solution. Alors, la solution, elle peut être trouvée sur Internet. Si ces messieurs rencontrent un souci particulier, la solution se trouve sur Internet, il faut faire des recherches.
Ou alors l'entourage éloigné. Ça peut être l'entourage éloigné qui peut apporter une solution. Bon, ok, on va voir. La solution, c'est de sortir. Également, le jardin, c'est ça, c'est un petit peu accepter toutes les invitations. Hein, d'accord? Alors, il y a l'arrivée de la justice, hein, quand même, pour vous, messieurs. Donc, en l'occurrence, on peut se retrouver dans la catégorie où on va devoir faire appel à la justice. Il y a un coup de chance financier pour vous, messieurs, comme pour la féminine. Il y a l'arrivée du bonheur. Hein. Mais qui prend un petit peu son temps. C'est un déplacement qui est lent, mais néanmoins, il y a l'arrivée du bonheur. Il peut y avoir vraiment un éloignement, il peut y avoir un déménagement, mais on peut partir franchement à l'autre bout de la France, hein, c'est un petit peu ça, ou à l'autre bout du monde. Le bonheur est ailleurs. Là, j'entends le bonheur est ailleurs, pour vous, messieurs. Bon. Ouais, il y a des soucis. 2, 4, 6, messieurs, vous allez avoir pas mal de péripéties au niveau sentimental. Là, en l'occurrence, il y a une tempête sentimentale qui s'annonce pour vous. Vous allez rencontrer ouais, des péripéties d'un point de vue sentimental. 2, 4, 6. Waouh, ouais, il y a de la douleur. Ça ressort tout de suite, donc ça rejoint les messages annexes qu'on a eus, il y a vraiment de la douleur. Vous allez apprendre l'adultère ou si vous-même êtes infidèle, votre adultère va être découvert. C'est ça la fin, non, ça. Alors je le rappelle, c'est du tirage qui est général, hein, d'accord, mais si vous êtes devant, c'est qu'il y a une raison. 2, 4, 6, 7, 8, on a tout. Ok. Il va y avoir la fin d'une famille. C'est-à-dire que quand cette vérité va éclater au grand jour, hein, clairement, ça va mettre à mal l'arbre généalogique, donc la famille qu'on a construite. Hein. Donc on est plutôt chez des. Alors, cette amie qui va vous l'annoncer, et comme ça rejoint le message annexe, je peux le reprendre là. Cette amie qui va vous l'annoncer, clairement, il le fait pour votre bonheur. Il le fait pas, ça ne lui fait pas plaisir d'annoncer cette mauvaise nouvelle, mais il estime que vous êtes en droit de le savoir. Donc voilà, il pense à votre bonheur. C'est quelqu'un qui vous est fidèle. Hein, okay, donc il pense à votre bonheur. Ouais, c'est vraiment ça. C'est pour que vous cessiez de vous faire des illusions et que quelque part, ben vous ayez le choix de pouvoir vous séparer en toute connaissance de cause. Voilà, on va chercher ces messieurs, je ne trouve pas. Il va y avoir des discussions houleuses et on le sait, c'est d'un point de vue sentimental. C'est-à-dire que quand la vérité va éclater au grand jour, il va y avoir vraiment des discussions intimes avec votre compagne, votre conjoint. Ça va s'avérer houleux. Hein. Parce que vraiment, là, la vérité, elle va éclater au grand jour. Hein. Ouais. Bon, il y a le ciel qui est de votre côté. Hein. Déjà, messieurs, ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, 16, 18, 19, ouais. Ouais. Toujours pas la carte de ces messieurs. Toujours pas. Alors, ces messieurs qui ont des soucis un petit peu sentimentaux, ils ont fondé un foyer. Ils vivent en commun avec quelqu'un. Alors, soit maritalement, soit conjointement, mais en tout cas, il y a un foyer de fondé. Toujours pas. Alors, on a la femme qui est en 24, 26, 28. Ouais, c'est vraiment des hommes qui sont avec une femme. Ouais, ben, je vais pouvoir la retourner d'ailleurs, celle-ci. Ça va commencer par une femme. Donc, on va voir un petit peu, est-ce que c'est une femme qui les trahit ou est-ce que. Il trahit une femme, bon, on va voir un petit peu, mais là dans la maison de l'homme, il y a la femme. Hein. Ah, bah, elle est juste à côté. Ah, ouais, non, mais alors là, regardez un petit peu comment ça se fait. Il se tourne un petit peu le dos, hein, là, c'est vraiment ça. Hein. Ah, bah, ouais, et puis là, le tableau, il va être terminé. Ça va me faire comme la femme. Je vais même pas avoir besoin de. Ah, mais c'est incroyable, c'est la première fois que ça arrive, ça. Ok. Donc là, en l'occurrence, le message que j'ai pour ces messieurs, il va y avoir des soucis sentimentaux à cause d'une femme ou pour une femme. C'est un petit peu ça, suivant la position dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire s'ils sont des trompeurs, qu'ils trompent leur conjointe, parce que là, l'homme est à la maison de la femme et la femme est à la maison de l'homme. Donc c'est un petit peu ça. De toute façon, on n'aura pas d'autres messages. Donc soit sa compagne actuelle
étant fidèle et il va la prendre, soit lui-même étant fidèle et sa compagne va la prendre. Mais là, il y a une infidélité qui sera révélée et qui va tout bouleverser. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors là, c'est la première fois que ça me fait ça. Hein, que pour l'un comme pour l'autre, de toute façon, le tableau est du coup très très court, puisque se termine en deux cartes. Bon, ben, je vais m'arrêter là, je ne vais pas forcer le talent, hein, je ne vais pas insister, puisque visiblement, les guides ont préféré se contenter des messages annexes. Bon, ben, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Allez, chers amis, je vous donne pour ma part rendez-vous demain. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique comment fonctionne la boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont les deux Le Normand que j'ai créé. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai créé un joyeux Noël Le Normand spécial un petit peu fin d'année. Si vous voulez l'acquérir, je vous conseille, parce qu'il y a au moins 3 semaines, 1 mois, voire 1 mois pour avant de les recevoir, parce que mon imprimeur est à l'étranger. Donc, je vous conseille fortement de commencer à y penser maintenant si vous voulez en faire un cadeau de Noël ou vous offrir ce cadeau de Noël-là. C'est un petit peu le moment pour le commander si vous voulez l'avoir à temps pour faire plaisir à vos proches ou même à vous-même. Voilà, n'oubliez pas de vous faire des cadeaux. Moi, je suis la première à me faire des cadeaux, je vous le dis. Allez, je vous embrasse tous très fort et puis je vous donne maintenant rendez-vous demain pour un autre tirage, une autre guidance sentimentale. Voilà, bon là, les nouvelles étaient plutôt courtes, mais on a eu pas mal d'éléments concernant les messages annexes qui rejoignaient de toute façon le tableau le tableau du masculin en tout cas. Allez, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, et puis de toute façon, quoi qu'il se passe, sachez une chose, c'est pour pouvoir apprendre et c'est pour aller vers du mieux. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.